Alors, pour l'exercice, le premier exercice sur lequel on va se baser pour bien sûr comprendre mieux l'intensité de courant ou les lois des nœuds. Alors, l'exercice suivant est dit choisir la bonne réponse. Alors, psi ta, dans un circuit en série, l'intensité de courant change. Bien sûr, tu vas choisir la bonne réponse. Est-ce que l'intensité de courant change ou ne change pas dans un circuit en série? Alors, on avait dit dans un circuit électrique. Alors, on avait dit avant, dans un circuit. Alors, la réponse est la suivante. Dans un circuit en série. En série, les dipôles, branchés sont parcourus par la même intensité. Alors, la réponse de cet exercice est-ce que, donc, ici, dans un circuit en série, l'intensité, bien sûr, ne change pas. Alors, la bonne réponse est la suivante. La réponse est, donc, l'intensité de courant ne change pas. L'intensité du courant, bien sûr, ne change pas dans un circuit en série. Alors, on passe à la question B. L'intensité du courant qui sort du générateur n'est pas la même ou la même que celle qui revient au circuit. Je dessine, donc vous avez ici petit A, alors petit B, je dessine ici le schéma. Si vous avez par exemple ici une lampe branchée avec un générateur, alors le courant électrique circule de pôle positif vers le pôle négatif. Bien sûr, on représente l'intensité de courant par une flèche. Alors ici, la question dit, si l'intensité de courant ici, en ce point-là, qui circule, est-ce qu'elle est la même qui va revenir au pôle négatif? Alors bien sûr, si vous avez pris ici l'intensité qui sort du générateur, est la même qui revient vers le pôle positif de générateur. Alors, la réponse est la suivante. Bon, vous allez mettre petit B. La réponse, l'intensité du courant qui sort du pôle positif du générateur, bien sûr, le générateur est la même que celle qui entre à la borne négative du générateur. Voilà pour la question B. Alors, on passe à la question C. Dans un circuit en dérivation, chaque branche dérivée est parcourue par un courant d'intensité égale à 0,32 pour l'une et 0,10 pour l'autre du courant est ici, bon, il manque une partie ici. Une partie qui manque là. Alors, quelle est la valeur qui est vraie? Alors, je vais essayer de dessiner ce schéma. Alors, vous avez un générateur.
ici, voilà, il est branché en dérivation, voilà une lampe L1 et la lampe L2. Alors ici, si vous avez l'intensité de courant principale I est égal à 0,32 ampères. Ici, vous avez l'intensité I1 est égal à 0,10 ampères. Quelle est l'intensité I2? I2, donc, soit en appliquant la loi des nœuds, bien sûr, ça sera I2. Alors, d'après la loi des nœuds, on a l'intensité principale I est égale à I1 plus I2. Alors, si j'ai envie de calculer I2, c'est I moins I1. Alors, je remplace chaque valeur, chaque expression par sa valeur. Alors, I est égal à 0,32 moins 0,1, qui est égal, bien sûr, à 0,22 ampères. Ici, je la remplace par sa valeur, qui est égale, bien sûr, ici, à 0,22 ampères. Alors ici, je passe à l'exercice suivant. Vous avez ici des nœuds dessinés dans chaque case. On va essayer d'appliquer chaque fois, dans chaque cas, la relation des nœuds ou la loi des nœuds. Ici, vous avez ce nœud-là dont la première case est constituée de 4 fils qui se rencontrent en ce point-là. On va essayer d'appliquer la loi des nœuds. Alors, pour la première et la suivante, je vais la dessiner. Alors, premièrement, on va essayer d'appliquer la loi des nœuds. Vous avez, donc, premièrement ici. Alors, vous avez le nœud ici. Alors, I1. Bon, vous avez I1 qui sort du nœud. Alors, I1, c'est là. Alors, I2. Ben, il va entrer, I2, elle est là. Donc voilà I qui entre, bien sûr. Alors le dernier, I3, qui entre aussi. Alors qu'est-ce qu'il dit la loi des nœuds? Donc la somme des intensités entrant vers le nœud est égale à la somme des intensités qui quittent le nœud. Alors on applique ces lignes. Donc on sait que I3, et I2 entre vers le nœud, alors qu'I1 quitte. Alors, on sait que I1 est égal à I2 plus I plus I3, d'après ce premier schéma. Alors, voilà, en appliquant ici, j'appelle ce point-là A. Alors ici, A s'appelle le nœud. Alors, je passe au deuxième cas. Ici, donc, ce nœud est constitué de 5 fils conducteur, bien sûr, se connecter en ce point qu'on appelle le point nœud. Je le dessine. Alors, le deuxième cas, donc vous avez deuxièmement. Alors ici, vous avez I2, I9 qui entre vers le nœud. Alors, je le dessine. Voilà. Alors, ici, alors I2, donc I2, I9 qui entre, ici I1, I3, donc ici I10, alors qui quitte le nœud, et celui-là, bien sûr, I1. Alors la relation ici qui lie entre ces intensités, bien sûr, on va appliquer tout le temps la même relation ou la loi des nœuds. Alors on va voir toutes les intensités qui ont le sens vers le nœud. Alors on a ici I9, I2, est égal à la somme des autres. Ici j'ai oublié peut-être un ici là, je l'ai oublié. Alors vous avez I9, c'est I9.
Alors ici, c'est I9, I2, I10 et I1. Voilà. Alors on sait ici, je vais essayer de voir, comme j'ai dit, la somme des nœuds qui entrent vers le nœud est égale à la somme des intensités qui quittent le nœud. Alors, on va voir quelles sont les intensités qui entrent vers le nœud. On a ici I2, I9 et ici I1. Donc c'est I4, pardon, ici I1. Alors, j'applique ça. Alors, I2 plus I9, alors plus I1 est égal, bien sûr, à I10 plus I4. Voilà la deuxième relation selon le deuxième schéma. Je passe maintenant au troisième schéma. Ici, il est constitué de 6 fils conducteurs, de telle façon à ce que ça soit ainsi. Alors, troisièmement, je le dessine. Alors, vous avez ici un fil, donc vous avez I4 entrant, vous avez I2 ici qui quitte, I2, et vous avez I9 qui entre. Alors I6, là, vous avez I6, donc ici I4, I5, et vous avez ici I6. I6. Alors j'applique la même relation. Vous avez ici, il est constitué de 6 fils conducteurs qui se rencontrent en ce point-là. Alors de la même façon, je vais voir toutes les intensités qui entrent vers le nœud. Ici, je sais, I6, là, celui-là quitte alors ce qui entre vers le nœud, vous avez I4 et I9. Alors j'écris I4 plus I9 est égal à les intensités qui quittent bien sûr le nœud. Vous avez I5 plus I2 et vous avez ici I6 plus I6. Voilà la troisième relation. Alors ici, pour la quatrième, c'est la même chose. Bon, ici, je vous la laisse la faire pour la prochaine séance. Allez, je passe à l'exercice suivant. Vous avez ici l'exercice numéro 4, écrire la loi des intensités. C'est facile pour cet instant, pour cette relation, la loi des nœuds. Il dit, vous avez I25 qui entre, et vous avez I14 qui entre, et vous avez I1 qui quitte le nœud. Alors la relation s'écrit de cette façon. Alors la relation ici, donc pour le premier exercice 4, numéro 4, la relation dit, alors vous avez I25 est égal, bien sûr, plus I14 est égal à I1. Alors, ici, dans ce cas-là, où vous avez plusieurs, bien sûr, fils qui se rencontrent dans ce point-là, bien sûr, on applique la même relation, la loi des nœuds. Vous avez tout le temps ici les intensités qui entrent. Quelles sont les intensités qui entrent? Vous avez I3, et vous avez I7, et vous avez I2. Alors, j'écris. Alors, premièrement, deuxièmement, vous avez I3 plus I7 plus, alors I2 est égal, bien sûr, à les intensités qui quittent. Alors, vous avez I4 ici plus I8, alors plus, alors ici, plus I1. Et bien sûr, I5, bien sûr, plus I5. Alors ici, combien vous avez? Alors I3, bien qui entre, vous avez I7, et vous avez plus, bien sûr, I6. Je l'ai oublié, I6. Voilà la relation pour le dernier cas.
Alors, je passe à l'exercice 5. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 1, l'exercice 5? Alors, indique le sens du courant dans chaque branche. Alors, je vais dessiner ce schéma-là afin que je puisse déterminer le sens courant dans chaque branche. Et je vais essayer, bien sûr, de déterminer chaque branche avec une couleur différente dans chaque cas. Alors, je dessine ici ce schéma-là. Vous avez, bien sûr, là, le générateur. Voilà la lampe L1. Et vous avez, bien sûr, un nœud, parce qu'il est constitué de deux fils conducteurs. Alors, un ampèremètre à deux, voilà. Ici, en bas, vous avez la lampe L2, et vous avez L1 ici. Alors, vous avez L3, et voilà, l'ampèremètre à 3. Ben, je vais le mettre ici, afin que ça soit clair. Voilà, je ferme le circuit, et voilà un deuxième nœud. Vous avez ici l'ampèremètre à 2 et à 3. Donc, je vais déterminer chaque fois la branche ici. Je vais dessiner la branche principale avec le stylo rouge. Voilà. Là, voici la branche principale. Elle est là. Et puis, voilà la branche principale. En rouge ici, la branche principale, c'est la branche principale et celle qui contient le générateur. Je dessine le sens courant ici. Donc, il va passer par la branche. Ici, j'appelle ça donc intensité principale. L'intensité principale, c'est l'intensité qui vient directement du générateur. Alors, on atteint ici un certain point qu'on appelle un nœud. Je l'appelle par A et ce nœud-là, je l'appelle B. Donc, je vais désigner par nœud. Nœud A. Et ici, c'est un nœud B. Alors ici, lorsque le courant atteint ou arrive au nœud A, donc il va, une partie du courant va passer, je vais la dessiner avec une autre couleur. Ici, c'est une branche dérivée, ici, où existe. Donc ici, je vais dire branche dérivée. Et là, ici, c'est une branche aussi dérivée, bien sûr, parce que il est divisé en deux. Voilà, je la dessine en noir. Voilà la partie. Donc, c'est branche dérivée. Alors, lorsque le courant atteint le nœud, donc une partie va passer dans la branche dérivée, ce qu'on appelle I. Bien sûr, je l'appelle ici I1, donc je l'appelle ici I2. Et une autre partie va passer par la lampe L3, on l'appelle I3. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Donc j'ai dessiné le courant, le sens du courant qui circule dans chaque branche. Alors en rouge, on l'appelle la branche principale. Je l'ai écrit ici, branche principale. Alors que les autres sont dérivés, puisqu'ils sont dérivés du courant principal. Alors, deuxièmement, mettons soit I1, l'intensité du courant dans la branche principale, et I2 et I3, l'intensité du courant dans les branches dérivées. Écris la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est facile à dire là. Bon, vous avez la loi des nœuds. Deuxièmement, écrire la loi des nœuds bien sûr je vais écrire maintenant la loi des nœuds au niveau du point A. Alors ça se dit donc I1 est égal à I2 plus I3. Alors, la troisième question, je passe à la troisième question.
qui dit... Alors, la troisième question, on donne I2. Alors, troisièmement, alors vous avez I2 est égal à 1,1 ampère, et puis I3 est égal à 400 milliampères. Alors, la question est la suivante, on va calculer, calcul de I1. On sait d'après la loi des nœuds ici que I1 est égal, donc I1 est égal à I2 plus I3. Avant ça, donc je vais convertir I3 en ampères, I3, je vais diviser par 1000, ça va vous donner 0,4 ampères. Alors, je remplace chaque terme par sa valeur. Donc, I2 est égal à 1,1 ampères plus 0,4 ampères, qui va vous donner, bien sûr, 1,5 ampères. Voilà. Donc, l'intensité de courant, bien sûr, principale, toujours, il est supérieur à les intensités des courants dérivés. Je passe à la quatrième question. La lampe L3 grille. Alors, ici, vous avez la lampe L3 est grillée. C'est-à-dire ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Alors l'ampèremètre A2 mesure I2, donc est égal à 1,5 ampères. Que mesure l'ampèremètre A3? Bien sûr, puisque je passe à la question 3, donc puisque la lampe, vous avez la lampe L3, est grillée. Donc, le courant électrique ne circule pas dans la branche, dans cette branche. Alors, l'intensité implique, cela veut dire, c'est-à-dire... que I3 égale à 0, puisqu'ici, la lampe est grillée, donc le courant ne va pas passer par là. Donc ici, la lampèremètre A3 ne va rien indiquer, il va indiquer 0. Alors ici, pour la cinquième question, que mesure l'ampèremètre A1 si la lampe L3 est toujours grillée? Ah bon, si vous avez I3 est grillée, alors ici, L1, L2 et l'ampèremètre sont branchés en série, je vais dessiner le schéma. Ici, cinquième question. Alors, cinquièmement ici, donc si L3 est grillé, alors le schéma devient, ben je le dessine là, vous avez bien sûr, la lampe L1, et vous avez la lampe L2 et l'ampèremètre A2. Alors ici, voilà, ça sera ici. Donc, comme s'étant cette branche dérivée a été éliminée, alors vous avez L2. Donc, L1 et L2 sont branchés en série. Alors, ils sont... est alimenté par la même intensité de courant. Alors l'intensité de courant indiquée ici dans L1 est la même. Alors l'intensité I est égale, bien sûr, comme il est indiqué ici, est égale à 1,5 ampères. Je dessine là le sens de courant, puisqu'ils sont branchés en série. L'intensité indiquée par l'ampèremètre A2 est égal à 1,5 ampères. Bon, ici, je passe à l'exercice suivant. Alors, vous avez ici, les lampes sont branchées en série. Alors, on sait qu'en appliquant la loi des additivités des tensions, puisqu'ils sont branchés en série et les lampes sont identiques, alors l'intensité indiquée par le voltmètre ici, c'est 12,3
3. Donc, la tension aux bornes de chaque lampe, il va être divisé par 3 ici. On divise cette tension par 3 afin qu'on puisse déterminer l'intensité de chacune, puisqu'ils sont branchés en série. Alors ici, si vous avez ici, bon, le voltmètre ici, il a indiqué 4,07. Quelle est l'intensité, quelle est la tension, pardon, entre chaque lampe ici? Puisqu'ils sont, les lampes sont identiques, alors l'intensité ici indiquée par le voltmètre là est la même que celle qui va indiquer pour la lampe L2 et la lampe L3. Ils sont sous la tension 4,07 chacune. Ici L1, donc le voltmètre va indiquer 4,07, ainsi que L2, bien sûr la tension entre ces bornes est égale à 4,7, de même pour L3. Ici, de la même façon ici, puisqu'ils sont branchés en dérivation, donc puisque le voltmètre ici donne la tension aux bornes de L2, les lampes ici sont les mêmes, alors la tension aux bornes de chaque lampe est égale à 4,06. De la même façon ici, donc on dit ici que lorsque les lampes ils sont identiques, ils sont branchés en série, la tension est la même entre toutes les lampes qui sont branchées en série. Je passe ici à le deuxième cas, lorsque les lampes ici sont branchées en dérivation. Alors ici, lorsqu'ils sont branchés en dérivation, donc la tension entre entre les bornes de chaque lampe est la même puisqu'ils sont branchés en dérivation aussi. Alors le voltmètre, il indique 11,82 volts. Alors la tension en borne de chaque lampe est égale à 11,82. De la même manière ici, puisqu'ils sont branchés en dérivation ici, donc la tension est la même. C'est ça pour chaque. Donc on va résumer tout ceci. Si les lampes sont branchées en série, alors on applique ce qu'on appelle additivité de tension. Alors lorsque les dipôles sont branchés en dérivation, donc chaque dipôle est sous la même tension que celle de générateur. Alors avec ça, notre séance s'achève. Merci de votre attention, on se verra plus tard.